si j'ai fait le tournoi que j'ai fait en ce moment et si je joue bien libéré en ce moment, c'est parce que j'ai eu l'honnêteté de dire les choses et de les assumer tout simplement. À la veille de la finale contre Martina Hingis, Mauresmo dérange. Son jeu surpuissant intrigue, ses épaules suscitent des interrogations, son homosexualité entraîne des déclarations de la part des autres joueuses. Hingis ouvre les hostilités. Je sais qu'elle est venue ici à Melbourne avec sa petite amie. En fait, elle est moitié homme. Elle est venue ici avec son amie. Elle est un demi-homme. C'est la moitié d'un homme, déclare son adversaire Martina Hingis. La presse australienne saute alors sur l'occasion, rien de tel qu'une polémique. Pour vendre une finale, Camélie est obligée de préparer quelque part à huis clos. Un vent de folie et d'intolérance balaie alors Melbourne. Tous les yeux convergent vers ses épaules que certaines joueuses trouvent un peu trop masculines.